monde, c'est Christo et donc aujourd'hui je me retrouve pour une vidéo spéciale, un vlog et je suis en compagnie de... Marianne, salut tout le monde. Voilà en fait qui est une chanteuse sur l'île où je suis donc en vacances, donc à Tenerife. Et est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu fais tout ça? Style, on va dire que c'est... parce que je compose en fait, je suis chanteuse, auteur-compositeur avec mes morceaux propres. En fait ici je travaille sur l'île... Dans des hôtels 5 étoiles pour les gens justement qui viennent en vacances. Mais à côté de ça, j'ai monté mon propre projet avec mon groupe qui s'appelle Liqueur de Feeling. Je pense que vous devez savoir quand même que je fais des vidéos de motivation. Ça dépend des gens après qui me suivent ou pas. Et en fait, elle fait un peu le même style de motivation sous la musique en fait. C'est un peu ça. Voilà. C'est-à-dire qu'elle donne de l'amour en fait dans c'est ses paroles en fait. C'est smile, en gros tu souris, faut être motivé même si... il va y avoir des obstacles dans ta vie, il faut continuer à avancer, c'est un peu ça. Hein. Voilà, c'est ça, croire en soi. Si on a un rêve, il faut essayer d'y aller coûte que coûte et de s'accrocher voilà. À la vie en fait, pour pouvoir parvenir à ce qu'on désire le plus. Et t'es passé donc, sur une chaîne de télévision? Oui, sur l'île. Voilà, j'ai fait aussi le Club Noël. Voilà, ils m'ont invité aussi à faire des interviews. Voilà, et moi je passe sur YouTube. Merci. Pas de chaîne de télévision, pas encore, peut-être. Et donc là, où est-ce que tu m'emmènes pour Alors, là on est sur la partie plus aride en fait de l'île, ouais. À Tenerife. Et puis je t'emmène dans une salle de répétition avec musiciens qu'on va retrouver voilà. Ce matin. On va voir les musiciens, tout ça. Voilà, parce que donc, il y a le concert vendredi soir. Vendredi soir. Et mercredi soir, c'est un autre truc, c'est un truc un peu plus petit. Oui, voilà. C'est dans un hôtel, mercredi soir. Seule. Voilà, ouais. D'accord. Okay. Je t'invite d'ailleurs. Et elle m'invite. Hola. Hola, Carlo. Donc là, on est où là exactement? On est dans le village d'Alafo. Donc c'est là où on va vous montrer un peu le matériel, tout ça. Et on va voir ça. Donc là, il y a un petit collègue, donc un musicien donc, qui est juste ici. Qui veut pas être trop filmé, donc c'est pour ça qu'on va pas trop le filmer. Donc on est dans ce fameux endroit où tu chantes tout ça avec les musiciens. D'ailleurs, on peut voir tout le matos. Répétition tout à l'heure, ils sont pas encore arrivés. On peut voir tout le matos derrière. Donc il y a quand même pas mal de choses avec le micro. Hein. Et c'est pas le Blue Yeti comme j'ai moi pour faire mes vidéos. Et c'est quand même pas mal. Donc ouais, franchement, et puis oh là là, il y a les notes. Ah, ça c'est pour toi, ça. Et donc ça, tu... c'est pour les musiciens. Ouais, en fait, pour le prochain concert, comme on se retrouve dans une salle de jazz et blues, eh ben, j'avais bien envie de présenter quelques thèmes de standards de jazz. Et puis après, directement, de passer à mes chansons de l'album que j'ai donc édité cette année. Ok, d'accord. Bon, on va voir, on va attendre donc là les autres musiciens hein, pour que ça fasse un peu de bruit. On va voir ce que ça va donner. Bah, donc. Donc, alors là, c'est tes thèmes en fait. Ouais, c'est mes thèmes, c'est mes chansons. C'est ses chansons, donc ça va arriver. Donc, on va voir tout ça. On va attendre un peu. Voilà. Le prochain thème là qu'on va faire s'appelle Smile. Smile. Est-ce que c'est facile de sourire aujourd'hui? Alors voilà, je vous propose ça, de sourire tous ensemble. Bah c'est parti. On va.
les gens, donc je sais pas si on, nous voit bien, hein. Mais voilà, donc il fait là, chaud ici, en fait. Il fait chaud, voilà. Ah, c'est sûr que à Tenerife, il fait combien aujourd'hui, tu penses? Je sais pas, il va faire plus de 30, 33. Ouais. Et donc bah là, on a terminé la journée. On a terminé la répétition. Et on va donc monter dans la voiture Citroën. Petite dédicace. Voilà. Et bah, j'avais une question en fait pour toi. Ah, raconte. C'était attends. Bah attends, on va aller dans la voiture, ce sera plus simple. Hop. C'était donc ma petite question, c'était en fait quand tu chantes. Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Par exemple, moi quand je fais mes vidéos, tout ça, ça me fait j'ai l'impression d'être dans un univers un peu et puis t'es tranquille, enfin je suis heureux. Alors, quoi. Je vais pour me répondre un peu là-dessus. Ouais, une réponse facile. Je sens que je suis faite pour ça. D'accord. C'est ma passion, c'est... Ouais, c'était... Tu persévères là-dedans, tout ça, et oui. C'est quelque chose qui te... C'est mes tripes qui parlent, et j'espère pouvoir toucher tout le monde au travers de mes mélodies, de mes textes. Mm. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est un peu une drogue hein, maintenant, comme tu me dis. C'est tous les jours à la recherche de... perfection. De s'améliorer, rechercher des gens pour voir s'ils sont intéressés ou pas, progresser, tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose un peu de particulier. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Je mettrai des choses dans la description, donc soit son site internet ou sa chaîne YouTube qui est en développement. Je vous invite tous à venir écouter les chansons et me découvrir. Voilà. Et merci Christophe. Bah de rien, et puis de toute façon on va se retrouver, je pense, très J'espère prochainement. J'espère que ça t'a plu de passer la matinée comme bah oui, ça avec attends, moi. Avec Citroën, la vie est mieux, non? Elle est Mais meilleure oui, avec exactement. Citroën. Peace out. Ciao, peace out.